Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Difficiles Aventures. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour un petit épisode tranquille, au chaud, pendant l'hiver. Voilà, tranquillement dans la base militaire de la zone contemporaine. Alors, j'ai progressé sur le bunker des canons, j'ai laissé encore mon beacon. Faudra que je l'enlève, hein, bien sûr. Il n'y aura pas vraiment de beacon dans la zone, je crois pas. J'avais pensé à un moment utiliser les faisceaux comme des projecteurs, mais ça fait un peu bizarre d'avoir des projecteurs vraiment tout droit et enfin tout droit non, mais je veux dire verticaux. Ça fait un peu bizarre. Donc ça, c'était juste pour m'aider à creuser parce que j'ai bien creusé pour ce petit bunker. Alors il y a plusieurs entrées, c'était mon idée de base. Et donc l'entrée principale, on va dire la plus grosse, c'est celle-ci parce qu'elle est facilement accessible depuis le futur poste de contrôle, le poste, le quartier général. Donc du coup, dans toutes les entrées, j'ai appliqué un petit peu la même règle que j'avais observée dans les bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai visité pas mal, notamment quand je suis allé en Normandie il y a de ça quelques années. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois, les entrées étaient toujours surveillées par un petit poste de garde, comme celui-ci par exemple, qui permet de mettre quelqu'un derrière armé d'un fusil ou d'une mitraillette, ou voire même s'il y a une mitrailleuse installée en dur physiquement derrière. Ça permet de protéger l'entrée, puisque en fait, la véritable entrée, elle est sur le côté, mais du coup, on est obligé de passer dans la ligne de mire de celui qui protège pour pouvoir accéder à l'intérieur du bunker. Donc j'ai fait ça à toutes les entrées. On va entrer à l'intérieur. Donc une fois dedans, on est plus proche d'un complexe industriel, je dirais dans l'esprit, plutôt qu'un bunker vraiment de la Seconde Guerre mondiale, comme peut l'être un peu l'entrée. Donc vous voyez qu'on peut accéder ici à la partie qui permet de surveiller l'entrée. Et à chaque fois, hein, c'est pas immédiatement accessible et il y a toujours un mur derrière qui permet de ne pas voir depuis l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Après, j'ai mis pas mal de petites étagères comme ça avec des trappes d'or en fer, j'ai mis quelques pistons pour faire comme des caisses. À certains endroits, j'ai laissé comment dire, la paroi rocheuse de l'intérieur de la grotte, et là il y a même Gréby qui m'a aidé à faire cet intérieur, qui a laissé du charbon apparent pour faire des petits changements de texture. Sinon vous voyez que j'ai mis un petit bandeau comme ça jaune et noir partout au niveau du sol. Comme on est dans une zone un petit peu humide à l'intérieur de la colline, j'ai mis sur le côté des petites rigoles comme ça pour faire partir l'humidité, éventuellement quelques ruissellements. Ah oui, ce que j'aime bien au plafond, j'ai mis des petites lanternes marines, mais cachées sous, enfin dessus, au-dessus des trappes d'or, et je trouve que ça fait pas mal néon comme ça, j'aime bien. J'aime assez. Ensuite, si j'ai fait ce bunker, c'était pour gérer les canons. Donc on a ici la salle pour le canon 1. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et là, Greby m'a été très utile. Il a vraiment apporté énormément d'astuces. Par exemple, c'est lui qui a conçu ses réserves de munitions. Et effectivement, c'est pas mal. Ça fait des grands rangements à l'intérieur du mur, des grands renfoncements. Et c'est pas mal. Donc voilà, j'ai écrit sur le petit panneau réserve de munitions. Et puis on a ça aussi, c'est Greby qui l'a designé. En fait, on est pile. Ah, il a mis un petit truc comme ça. J'étais resté sur son ancienne idée. Non, mais c'est pas mal avec la dalle. On est pile en dessous des canons. Et donc ça, c'est le chargeur, la machine, on va dire, pour charger les munitions et les envoyer directement dans le canon qui est au-dessus de nous. Là, après, on a un système de casier avec des rangements, des étagères, d'autres sortes de petites caisses faites avec des distributeurs que j'aime plutôt bien. Donc voilà. Une petite salle pour le canon. Par ici, on a une deuxième enfilade qui permet de surveiller une deuxième entrée. Hop, voilà. Et du coup, ici, ça nous permet de ressortir sur les quais. Faudra que j'aménage du coup ces quais. Plus maintenant, je sais que je peux aménager la colline, rajouter un peu de végétation, quelques petits murs de murets de protection, mais je l'ai pas encore fait. Et puis ce quai là, j'ai quelques idées, mais j'en reparlerai une autre fois.
En tout cas, on peut retourner de nouveau à l'intérieur par ici. Alors ça, c'est une idée que certains d'entre vous m'avaient proposée sur un des plans, c'est de faire un grand souterrain qui permette de relier tous les bâtiments de la zone militaire. Donc je pense que je vais le faire, ça va être un sacré creusement, mais pourquoi pas. Et donc là, voilà, j'ai commencé à faire le début du souterrain qui permettra de relier cette partie-là, ce complexe souterrain, au reste de la base. Là, on a un petit espace de rangement et qui fait office en même temps d'enfilade, puisque là encore, on a une petite sortie qui nous permet d'arriver directement sur le chemin de ronde. Hop! Par ici, on a le canon 2. Donc avec le même système que dans la première salle, avec une réserve de munitions, avec le chargeur du canon. Il y a uniquement pour ce canon-là où j'ai été obligé de tricher un peu, parce qu'en fait, normalement, si on voulait être pile en dessous du canon, on serait ici, mais ça tombait en plein milieu du couloir, et j'ai pas trouvé de meilleure solution, donc du coup, il y a ce canon-là qui est légèrement décalé, on n'est pas vraiment en dessous, mais bon, ça se voit pas trop. Ici, on a une réserve, une salle vraiment purement de rangement, avec des espèces d'établis, des étagères, quelques caisses qui traînent, des instructions dans des items frame. Voilà. Alors, je savais bien qu'il me manquait du verre pour la lumière ici. Et puis là, tranquillement, on arrive vers la fin de la partie souterraine avec la salle du canon 3. Cette fois-ci, on est pile en dessous du canon 3. Donc avec toujours la réserve de munitions et le chargeur. Et il me manquait, voilà, des petits morceaux de verre. Comme ça, on finit ensemble. Et enfin, la dernière sortie. Alors là, j'avais vraiment pas beaucoup de place entre le canon, entre aussi la fin de la colline. Vous voyez que là, ici, le plafond est plus bas parce qu'on est immédiatement, eh bien, au-dessus de la colline, tout simplement. Donc, du coup, la petite enfilade qui permet de protéger l'entrée, elle est vraiment rikiki. Mais bon, il y a toujours ce système qui permet de protéger. Voilà pour le bunker. Donc, j'espère qu'il vous plaît. Je suis pas un pro en déco, hein, vous vous en rendez bien compte. Donc, du coup, ça fait un peu vide encore. Si vous avez des idées, des astuces pour la déco, n'hésitez pas à m'envoyer des petits screenshots sur Twitter ou sur le Discord des Difficiles Aventures. Tous les liens sont dans la description. Parce que je suis preneur, il me reste donc à faire pour fignoler cette zone, eh bien, à déplacer tous mes coffres, parce que voilà, ils sont un petit peu très mal rangés, c'était du coffre provisoire, donc il faut que je range tout ça. Après, j'aurai plus qu'à boucher ici, et on pourra dire que cette zone est finie, eh bien, sous réserve que vous ayez des idées pour améliorer tout ça. Mais voilà, ça fait un complexe un peu militaire, un peu industriel, j'aime bien dans l'idée, et ça habille l'intérieur de la colline, ça justifie aussi le chargement des canons par l'intérieur de la colline. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans la base militaire et j'ai très envie de décorer, d'habiller l'usine à fer que Juju m'a gentiment construite ici dans la base militaire. Donc je vous propose qu'on se le fasse en time-lapse. Donc rendez-vous dans quelques instants pour l'habillage de la fer.
Et voilà les amis, on se retrouve avec ce soleil qui se lève sur le port de pêche. Ça fait avec les shaders une plutôt belle impression, je trouve, avec ces grues, ces bateaux, ces lampadaires aussi qui apparaissent dans la brume matinale. Et puis du coup, bah, comme vous l'avez vu, j'ai fait le petit, ou le moyen, je sais pas trop, l'entrepôt qui camoufle la ferme à faire. Et puis depuis la fin du timelapse, j'ai passé encore quelques heures à peaufiner, à rajouter les détails et à faire aussi une bonne partie de l'intérieur. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Mais déjà, je tenais à vous remontrer un petit peu cette partie extérieure. Donc j'ai légèrement aménagé les alentours. J'ai rajouté un petit peu de cobble ici, quelques lignes de marquage au sol pour séparer la voie de circulation des camions et celle du futur train. J'ai quelques idées pour les locaux, mais j'en reparlerai, je pense, dans l'épisode prochain, on verra. J'ai eu pas mal de fer pour faire des enclumes, mais je suis pas encore arrivé à joindre les deux bouts, à aller jusqu'au virage là-bas. Donc il me faudra encore un petit peu de fer. Pour revenir à l'entrepôt, j'ai rajouté aussi des éclairages, donc qui sont directement fixés sur les murs de l'entrepôt. J'ai rajouté pas mal de caisses autour. J'ai rajouté aussi des petits espaces de stockage. Je suis allé visiter récemment une centrale nucléaire en France. J'habite pas très très loin et puis il y avait des portes ouvertes, donc j'y suis allé. Et c'était une visite très très intéressante. J'avais publié une petite photo sur Twitter, mais ce que j'avais noté aussi, c'est qu'en fait, tous les espaces de stockage étaient très très délimités. Il y avait sans cesse des marques au sol pour indiquer les différentes zones où on peut mettre du matériel, donc où il faut pas se garer. Et puis bon, il y avait aussi un code couleur. Là, j'ai pas fait trop attention dans Minecraft, j'ai choisi des couleurs que je trouvais sympa, mais il y avait un code couleur, c'est-à-dire que chaque couleur correspondait à un type de produit dangereux, de produits toxiques ou de matériaux de construction divers et variés. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur le côté. J'ai mis quand même quelques caisses en vrac, mais on peut imaginer que là, ici, dans ces espèces de bidons qui sont en fait des chaudrons, ce sont des matières plutôt dangereuses qui sont stockées, c'est pour ça que c'est dans une zone marquée en rouge et délimitée par des barrières. Donc du coup, sur les façades principales de ce côté-là, comme on est vraiment juste à côté de la ferme à fer, il y a cette grande porte coulissante, hein, qui peut se décaler sur le côté, qui est fermée, donc on ne peut pas passer par là, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est fait exprès, hein, ça cache la ferme à fer, tout simplement. Du côté du quai, j'ai fait une plus grande zone encore à délimiter. Celle-ci, je pense pas qu'elle sera complètement barricadée, mais je ferai peut-être des espèces de petits conteneurs, je verrai. Mais je vais attendre d'avoir une idée plus précise de quel type de bateau je mets ici, parce que j'aurai besoin sûrement de mettre des grues, etc. Donc il faudra peut-être quand même qu'on puisse passer correctement. Donc peut-être que cette zone-là est amenée à se rétrécir. Mais bon, j'ai quand même tenté de mettre un marquage pour voir un peu ce que ça allait donner. Par ici, on arrive de l'autre côté de l'entrepôt. Vous avez vu aussi que j'avais fait une porte, mais cette fois-ci, la porte est coulissée. Ça se dit coulissée? En tout cas, elle est ouverte, elle a glissé de l'autre côté. Et là, on peut voir l'intérieur que j'ai aménagé. On va y aller, on va rentrer. Donc, c'est un intérieur complètement RP. On a des lignes jaunes et noires pour montrer que c'est une zone dangereuse, faut faire gaffe. Et à l'intérieur, on a un espace de stockage qui est plutôt sympa. Donc, j'ai mis des grandes poutrelles métalliques en argile cyan qui soutiennent le plafond, hein, qui arrive pile au niveau de la partie verte où il y a les fenêtres. D'ailleurs, c'est marrant avec les shaders, les blocs de verre que j'ai mis vraiment à la verticale des zones de la ferme à fer qui doivent absolument recevoir de la lumière du jour pour que la ferme à fer continue à fonctionner, tout simplement, hein. Ces blocs de verre transparents laissent passer magnifiquement les shaders. Je trouve que l'effet là de lumière est splendide. Alors que les verres qui sont colorés, qui sont pourtant transparents, eh bien, eux ne laissent pas passer cet effet, même atténué, de lumière. C'est un tout petit peu dommage. Ça brise un tout petit peu l'ambiance et le réalisme. Mais bon, du coup, je vais laisser les blocs en verre. Au début, j'étais pas sûr, mais je vais les laisser parce que ça fait vraiment très très bien avec les shaders. Du coup, bah, j'ai mis des choses à stocker, voilà, des enclumes pour les rails, j'ai mis des armor stands. J'en ai mis parce que c'est les seuls objets que j'ai trouvé qui pouvaient se mettre sur des dalles en position basse. Vous voyez là, ici, j'étais obligé de mettre deux dalles pour prolonger les poteaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose sur les étagères. Mais je trouvais que des étagères avec un bloc d'épaisseur, ça faisait un peu beaucoup.
Sinon, bah voilà, j'ai mis des étagères en trappe d'or, en fer, parce que l'avantage c'est qu'on peut les mettre en position haute et poser quelque chose par-dessus, donc ça c'est cool. J'ai mis aussi des caisses, des choses comme ça, donc voilà, j'aime bien cet intérieur. À l'étage, vous voyez que j'ai mis des poutrelles métalliques, ça rend bien avec deux d'épaisseur pour les barrières en fer. Tiens, Juju qui est bien matinal. Hein. On va lui dire coucou. Et du coup, on a aussi plein d'autres traverses en pierre. Et ce que j'ai fait, là on va pas voir, j'ai pas de bloc sur moi. J'ai prolongé. Ah bah si, tiens, j'ai. Allez, on va tenter l'Ender Pearl. Tchac, ça passe. Donc, comme ça, vous allez voir un petit peu comment. Ah, flûte. Bon, voilà. Donc la ferme à fer, elle est de ce côté. Et en fait, j'ai fait illusion en rajoutant donc des poutrelles comme ça, mais qui ne plongent pas dans la ferme à fer. Mais du coup, quand on est de ce côté-là de la barrière, on a l'impression que l'usine continue, alors qu'en fait ici, bah voilà, vous la voyez, elle est bien, bien, bien camouflée à l'intérieur. Du coup, il nous reste une petite chose à vous montrer, la porte ici, qui permet eh bien d'accéder à un couloir. Bon. C'est pas très clean. Ah oui, j'aurais pu passer par là en fait. Bah oui, j'ai laissé un espace pour qu'on puisse aller voir quand même si tout se passe bien pour nos PNJ. Mais du coup, on a un petit escalier. Voilà, j'ai rien aménagé du tout, mais c'est juste pour aller. Waouh, il y a du fer qui était tombé à côté. Tiens donc. Eh bien, du coup, on peut aller chercher le fer. Et puis là, il y a le petit bunker pour se mettre à l'abri. Et les pancartes, c'est Grébi qui les a mis. Il voulait m'enfermer à l'intérieur. Parce que je suis tellement souvent AFK en ce moment que, voilà, il a voulu barricader la porte. Enfin bref, sinon toujours du côté des nouveautés, j'ai continué hors caméra des petits éléments de détail. On va aller de ce pas du côté des canons là-bas. Voilà, donc de ce côté-là, j'ai enlevé les coffres hein, qui étaient là-dessous, je les ai rangés et j'ai fini de décorer cette partie basse de la colline. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté pas mal de murs en fait, comme ici, là, donc des murs un petit peu craquelés avec des escaliers inversés, avec des petites barrières en cobble. Voilà, histoire de faire des murs pas très très bien construits ou un peu vieux, un peu usés par le temps, peut-être comme si c'était les signes d'une ancienne fortification un peu vieille. Et puis j'ai végétalisé le tout et du coup je trouve que ça rend plutôt bien. On a donc maintenant une colline qui est un petit peu plus consolidée, ce qui me paraît logique pour abriter le bunker qui est à l'intérieur. Et puis du coup, on a cette végétation qui a un petit peu envahi les lieux. Mais je suis resté sur des buissons très très bas. Je ne mets pas d'arbres qui pourraient entraver la ligne de visée des canons. Donc voilà, je pense que cette zone-là, elle est terminée. Enfin, la colline est terminée. Il faudra que j'enlève le beacon. Et puis ensuite, c'est pareil qu'à côté de l'entrepôt. Pour ce qui concerne les quais, en fonction des bateaux que je mettrai ici, je verrai comment j'aménage les quais, comment je rajoute des détails, des d'amarrage, des quais, des caisses, etc. Mais ce sera pour plus tard. Voilà, donc ce qu'on va faire pour terminer tranquillement l'épisode, c'est que je vais continuer à faire des petits détails comme ça. Le gros de la construction de cet épisode, c'était l'entrepôt. Ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis très très content du résultat. Du coup, on se retrouve dans quelques instants pour vous, un petit peu plus pour moi, quand j'aurai fait quelques autres éléments de détails et de décoration à vous montrer. À tout de suite.
Et voilà les amis, on se retrouve avec cette jolie petite construction. En fait, je me suis inspiré de certaines vedettes ou de certains patrouilleurs de la marine qui existent pour de vrai. Et j'ai fait ce petit bateau qui est pas si petit que ça quand même, mais bon, qui reste un petit modèle comparé à ce qu'on pourrait faire d'autre. La seule différence avec la réalité, c'est que j'ai rajouté à l'avant un petit canon ou une petite mitrailleuse. Sur les modèles de patrouilleurs que j'ai vus, il n'y en avait pas, mais je trouvais que, comme je l'ai vu sur certains navires plus grands, je trouvais que ça faisait bien quand même d'en mettre sur les patrouilleurs. Et du coup, il y a notre ami Gère qui est revenu des États-Unis où il a fait tout péter là-bas où c'est la catastrophe. Enfin bon, on en reparlera peut-être une autre fois. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit bateau vous plaît. On va en faire le tour. Déjà, j'espère que la couleur vous plaît. Moi, je suis assez fan. Donc, comme sur l'entrepôt, j'ai utilisé beaucoup d'argile, mais d'argile vraiment d'argile brute, quoi. Et ça donne une couleur très claire, un petit peu bleutée, que j'aime beaucoup. Et j'ai mélangé ça avec de l'argile cyan pour faire une sorte de camouflage. Alors là, comme le bateau est de ce côté-là de la mer, on voit plutôt bien. Mais si je prends un petit peu de distance, si je m'éloigne rapidement, quand on le regarde, voilà, quand on regarde le bateau, bon, on le voit encore, évidemment, mais quand on le regarde avec les quais gris derrière, il est quand même vachement plus camouflé et bah, je trouve qu'il rend bien. Moi, je l'aime bien avec voilà, cette espèce de treillis militaire, je trouve ça plutôt sympa. Est-ce que vous pensez que j'arrive à grimper dessus? Non, mais c'est pas trop grave, c'est pas trop mal. Donc du coup, à l'intérieur, comme c'est un petit patrouilleur, il n'y a pas forcément d'hélice, mais il y a des gros moteurs à l'arrière comme ça là, que j'ai représenté avec les entonnoirs comme d'habitude. Et puis ici, on imagine que ça fait partie des moteurs aussi avec les enclumes. Je ne pouvais pas m'empêcher de mettre des enclumes. Donc à l'avant, de près, eh bien, on a ce canon mitrailleur ici là, qui est plutôt sympa, qui dépasse au-dessus des barrières d'ailleurs. Qui permet quand même de tirer. On a le poste de commande, le poste de pilotage qui est à l'intérieur, on peut rentrer. Donc on a des portes de tous les côtés. Voilà, j'ai un tout petit peu aménagé à l'intérieur. Voilà, j'ai mis les classiques, j'ai mis les comparateurs, quelques leviers, pas leviers. D'ailleurs, j'aurais pu mettre des leviers en fait. Je pourrais les rajouter. Une petite table. J'ai pas mis de chaises. Je pourrais mettre des chaises quand même. Enfin, des chaises ou des endroits pour s'asseoir, disons. Ici, on accède à la partie moteur et on peut grimper. Et ici, on a une autre partie qui permet de surveiller. C'est un peu la vigie. Et ça permet aussi de piloter. C'est une sorte de poste de pilotage décentralisé du bateau. J'ai vu ça sur le modèle dont je me suis inspiré. Et donc, voilà, je trouvais que ça faisait plutôt bien de le reproduire comme ça. Si on se met complètement à l'avant du bateau, bah voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt satisfait de ce petit bateau. Comme je le disais au début, finalement il est peut-être pas si petit que ça par rapport au sous-marin. Il fait limite peut-être un petit peu gros. Et bah tant pis, vous savez que j'ai régulièrement des problèmes d'échelle entre mes différentes constructions. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur finalement, d'arriver à donner un certain niveau de détail tout en restant relativement petit. Et j'ai vraiment du mal à faire ça. Donc ce bateau, c'est une vedette. Donc en réalité, elle fait entre 15 et 20 mètres. Donc si je compte les blocs, on est un petit peu plus de 20 blocs. Donc c'est un petit peu plus grand. C'est peut-être finalement le sous-marin qui est un poil petit. Et encore, il est petit mais trapu parce qu'il descend profondément sous la mer, même si là on le voit pas de cette distance. Enfin voilà, le soleil se couche et nous arrivons à la fin de cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. On aura fait plein de choses et moi j'aurais fait pas mal de petites choses aussi hors caméra. On a fini le bunker là-bas et de décorer la colline. On a fait complètement extérieur et intérieur l'entrepôt qui camoufle la ferme à fer. Et on a fait ce quai et ce petit bateau militaire. Je pense que j'en referai un autre, peut-être à l'identique, soit ici, soit là, peut-être ici d'ailleurs. Je sais pas, je verrai, mais je pense que je me servirai de ce modèle pour en refaire un autre. Après tout, les patrouilleurs sont souvent plusieurs, hein, identiques dans une base, c'est pas aberrant. Donc voilà. Eh bien les amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi et à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode, un épisode où il y aura beaucoup de changements sur le serveur. Certains auront déjà deviné de quoi je parle. Allez, je répondrai à Gérard.
hors caméra. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes semaines et je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut!